Baume de Venise est une commune française située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce fief devint la deuxième baronnie du comtat venaissin, après Sérignan du comtat, seigneurie des Agoux au XIIIe siècle, des Bedeaux, des Astor de Père, et enfin, des Fortiats, jusqu'à la Révolution. Il fut érigé en duché à la fin du XVIIIe siècle, par le pape Pie VI. Le village est situé au pied des dentelles de Montirail. Il est dominé par le plateau des Courins, et plus à l'est, par le rocher des Trois Évêques, et la montagne de Carabelle. Les dentelles de Montmirail sont une chaîne de montagnes du massif des Baronnies. Elles forment des dalles rocheuses du Jurassique, Titonien. Les sols sont essentiellement calcaires. Localement, une résurgence de roches triasiques permet la culture d'un vin spécifique, nommé ainsi, Trias, et récompensé au concours général, en 2006. Le nom de la localité est attesté sous la forme « Belma » en 993. Baume de Venise est également nommé, en occitan provençal, Bauma de Venisa, selon la norme classique, ou Baumo de Veniso, selon la norme mistralienne. Baume, de l'occitan Bauma, signifiant grotte, faisant allusion aux grottes que l'on aperçoit sur les flancs de la montagne, au pied de laquelle est bâti le village. Le qualificatif de Venise, pour séduisant qu'il soit, sur le plan touristique et viticole, ne doit rien à la ville de Venise. Il s'agit d'une déformation de Venise, c'est-à-dire du comtat venessin, cette dernière appellation venant elle-même selon l'hypothèse la plus probable de comitatu avenicinu, c'est-à-dire comtat avignonnais. Baume de Venise veut donc dire baume en venessin. Les grottes furent habitées dès le néolithique. Les Gaulois occupèrent le plateau des Courins, qui domine la ville, et y fondèrent un oppidum. Un habitat de l'âge du fer a été fouillé sur ce site en 1961-1962. Il s'agissait probablement du peuple gaulois des Cavards, Baume est situé à la limite des territoires de ce peuple, et de ceux des Vaucons et des Momini. Le territoire communal est riche de nombreux sites d'occupation gallo-romaine. Plusieurs blocs sculptés gallo-romains trouvés sur le site des Courins, dont une scène de foulage du raisin, sont exposés au musée archéologique situé à Aubune. La première mention à des Belma a été faite en 993. La seigneurie de Baume faisait partie du comtat venessin, qui était à l'origine, une possession des comtes de Toulouse. Le comtat venessin fut cédé à la papauté en 1271, lors du concile de Lyon. Le premier seigneur connu de Baume est Raymond d'Agoux, qui fait hommage en 1253 à Alphonse, comte de Toulouse et de Poitiers, et frère de Louis IX, Saint-Louis. La seigneurie de Baume passa ensuite entre les mains des familles de Budos, de Père, puis de Fortiat. Le village de Baume était protégé par un château, dont il reste des ruines, et des remparts. L'église paroissiale, Saint-Nazaire, était au XIIe siècle, située hors les murs. Elle fut remplacée au XIVe siècle par l'église Saint-Pierre attenante aux remparts. Le castrum, et village de Durban, situé à l'est du plateau des Courins, constitua jusqu'à la Révolution, un fief distinct du fief de Baume. Les ruines du castellat de Durban, qui domine Baume, témoignent encore de cette occupation. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon posséda sur le territoire de Baume une église au lieu-dit La Frigoule, dont elle percevait les revenus. La chapelle Notre-Dame de Bune fut également érigée au XIIe siècle, dans un hameau proche du village. La communauté de Baume élisa chaque année ses deux consuls, qui gouvernaient la cité, assistés d'un conseil, et pouvaient convoquer en parlement général les hommes de 25 ans ou moins habitant le village. Les statuts seigneuriaux, édictés au Moyen-Âge, constituaient une réglementation locale. Ils étaient lus chaque année en place publique en présence du bel, représentant du seigneur, et des consuls. Chaque année, selon le même rituel, les consuls formaient opposition à ces statuts qu'ils considéraient comme attentatoires aux libertés communales. Cette procédure singulière se retrouvait dans d'autres villages, comme à Durban et au Barou. Lors des guerres de religion, le village renforça ses fortifications et résista aux troupes protestantes. Mais un autre fléau frappa Baume en 1628, la peste fit 200 victimes au village. Les consuls, conformément à un vœu fait au plus fort de l'épidémie, firent peindre un tableau allégorique de la peste, qui se trouve aujourd'hui dans la chapelle Notre-Dame d'Aubune. Après les guerres de religion, les seigneurs de Fortiat abandonnèrent le château féodal et acquérirent une maison seigneuriale dans le village. Le fief fut érigé en duché, à la fin du XVIIIe siècle, par le pape Pie VI. En septembre 1789, les villageois rédigèrent un cahier de doléances. Après des troubles dans tout le comtat, les électeurs de Baume exprimèrent, le 23 août 1791, le vœu d'être réunis à la France, comme la majorité des communes du comtat.
L'Assemblée nationale proclama le 14 septembre 1791 le rattachement des États d'Avignon et du comté Venaissin à la France. La municipalité sut protéger ses habitants au plus fort de la terreur exercée en 1793 par la Commission populaire de Ranges. L'éphémère commune de Durban fut intégrée à la commune de Beaume en 1811. En 1857, la construction du canal de Carpentras favorisa la transformation complète de l'agriculture dans la plaine du comtat, grâce à l'irrigation, ouvrit le territoire de Beaume à la production fruitière et maraîchère, destinée à alimenter Paris et les grandes villes. Les crises du ver à soie, du phylloxéra et de la garance dans la deuxième moitié du XIXe siècle entraînèrent une réorientation vers la production fruitière. Grâce à l'implantation de plants de vignes américains résistants au phylloxéra, la production de raisins de table et de vin fut mise en valeur au XXe siècle. La production du célèbre vin muscat de Beaume de Venise fut relancée grâce à l'appellation obtenue en 1943, suivie par l'obtention en 1956 de l'appellation Côte du Rhône, puis l'appellation Beaume de Venise Rouge en 2005. La vigne est présente sur des coteaux situés au sud des dentelles de Montmirail. Elle est exploitée par les vignerons de plusieurs caves et domaines. Toutes les productions sont en AOC, muscat de Beaume de Venise rouge, Côte du Rhône rosé et blanc, et Côte du Ventoux rouge, rosé et blanc. Les vignes de Beaume de Venise s'étendent sur trois terroirs. Les terres du Trias. Elles tirent leur nom de la période la plus ancienne de l'ère secondaire, comprise entre moins de 151 et moins 199,6 millions d'années, le Trias. Cette formation s'est déposée dans une mer peu profonde et unique nommée la Tétie. Le climat de l'époque est chaud, et la nature exubérante. Enfouie sous plus de 1500 mètres de sédiments, cette couche géologique ressurgit de nos jours par endroits en surface. Riche en magnésie, en carbonate de calcium et en fer, les sols des terres du Trias sont reconnaissables à leur couleur, ocre, jaune et violet. Très peu fertiles, ces sols permettent toutefois aux cèpes de ne subir ni le stress d'une sécheresse, ni celui d'une trop importante humidité. Le vin issu de ces terres se caractérise par sa richesse, sa souplesse et sa longévité. Les terres du Crétacé, appelées aussi terres blanches du Bel Air, du Crétacé, les sols de ces terres sont plus jeunes. Formés après l'ère du Trias, lors du Crétacé inférieur, il y a environ 100 à 140 millions d'années, quand la mer est devenue moins profonde. Et enfin, les terres grises des Pharisiens du Jurassique. Ce terroir est adossé au versant sud-est des dentelles de Montmirail. Contrairement à d'autres secteurs proches, le gel de 1956 a relativement épargné les oliviers de la commune. Leurs olives sont traitées directement, sur place au moulin à huile La Balméenne, et produisent une huile d'olive qui est classée en AOC, sous l'appellation huile d'olive de Provence. Selon les experts de l'INAO, cette huile est caractérisée par un nez peu intense avec des odeurs de fruits rouges, herbacées et d'artichauts crus, pouvant être associées à l'orgeat et la cannelle. En bouche, le fruité est intense et caractérisé par l'herbacé, l'artichaut cru pouvant être complété par des arômes de banane, de noisette, d'amande fraîche et de feuilles de tomate. En fin de bouche, le piquant peut être présent. Les sources qui illustrent ma vidéo proviennent de wikipedia.com.